Le 19 mars dernier, Benoît XVI annonçait qu'il allait lancer, ouvrir une année sacerdotale, ce qu'il a d'ailleurs fait le 19 juin dernier en la fête du Sacré-Cœur. Il a du même coup souligné, célébré le 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, qui est du même coup devenu patron de tous les prêtres du monde. En s'adressant aux membres de la congrégation pour le clergé en mars dernier, Benoît XVI a insisté sur la dimension missionnaire du prêtre. Et puis il a dit, du même souffle, qu'il ne fallait pas considérer la pastorale d'aujourd'hui sans les ministères ordonnés. C'est donc dire que nous avons besoin de nos prêtres en Église. Aujourd'hui, donc, à l'émission, nous allons explorer, réfléchir sur le ministère du prêtre dans l'Église et dans le monde aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être où je me trouve pour cette émission aujourd'hui. Je suis au musée Bata de la chaussure au centre-ville de Toronto, un incontournable pour les amateurs de souliers, mais surtout pour les amateurs d'histoire. Et le dernier artefact arrivé au musée représente très bien la personne qui portait cette chaussure. Il s'agit du curé d'Ars, ses souliers empoussiérés, cette chaussure empoussiérée que le père Rossica a rapporté de France. Mais d'abord, merci, père Tom. Je vous en prie. Raconte-nous l'histoire de cette chaussure. Alors, ce soulier appartenait à la maison mère des Basiliens en France depuis 1958. C'était donné au père Basilien de la grand-mère d'un de nos fondateurs, disons, un de nos pères très anciens, parce que sa grand-mère a connu le curé d'Ars, Saint-Jean-Marie Vianney. À Ars. Ars, c'est pas loin d'Annonay, en Ardèche. Alors, nous savons très bien que dans cette année du curé, cette année du prêtre, voilà, annoncée par le pape, je crois que c'est très important que le patron de tous les prêtres du monde a marché avec ses souliers. Bien, ça représente... Et puis l'autre soulier est toujours en France. La prochaine fois que je vais rapporter l'autre. Mais on voit que ça représente un peu le curé, la poussière des chemins qu'il a parcourus. C'est ça. La simplicité, peut-être un peu d'austérité aussi. Austérité, justement. La grand-mère qui a rendu visite au Saint-Curé d'Ars s'est rendue compte que ses chaussures n'étaient pas dans un très bon état. Alors la tradition dit qu'elle a dit « Donnez-moi vos souliers, puis je vais choisir, je vais trouver d'autres chaussures pour vous. » Et c'est ce qui est arrivé, et cette dame a gardé les chaussures, puis pour le temps de sa béatification, puis la canonisation. Et alors, le soulier maintenant appartient au quartier général, la maison mère des Basiliens ici à Toronto. Excellent. On sait, par Tom, que tu as une affection particulière pour le Saint-Curé. Pourquoi? Parce que c'est un saint prêtre, pauvre, simple, quelqu'un qui était très proche des gens, quelqu'un qu'on voulait chasser du séminaire parce qu'au commencement, on lui avait dit « Mais tu n'as pas l'intelligence d'être ici. » Et des années après, on s'est rendu compte que c'est la sainteté qui l'a fait prêtre et c'est cette sainteté qui a rayonné à ouais. tant de personnes qui sont venues trouver auprès de lui un accueil, un bon mot, la miséricorde, le pardon. C'était aussi un homme fragile, il avait une santé fragile. Très fragile. Mais où trouvait-il sa force pour Dieu. Pour vivre et pour exercer son ministère? Il était un ami de Dieu, un ami très proche de Dieu. Il y a une ligne dans ses écrits, ses lettres. La tâche glorieuse de l'homme, c'est de prier. C'est la prière qui unit l'homme. C'est la prière qui est le lien entre l'homme et Dieu. Je crois que c'est cette prière qui a guidé toute sa vie et puis qui a attaché beaucoup de monde, qui a ramené beaucoup de monde à lui. Et c'est cette prière qui doit guider les prêtres aujourd'hui? Les prêtres aujourd'hui sont à la recherche d'une identité, une identité missionnaire, une identité de prière, parce que le contraire d'un prêtre, l'opposé du prêtre, c'est le consommateur. C'est quelqu'un qui veut ramasser tout pour lui. Et le prêtre, c'est quelqu'un qui se dépense pour les autres. Alors, je crois que le modèle de curé Ars, qui s'est donné jusqu'au bout, c'est le modèle pour les prêtres aujourd'hui. Nous sommes le contraire des consommateurs, un monde consommateur aujourd'hui. Nous vivons notre vie pour les autres, au service des autres. Et je crois que nous trouvons à Jean-Marie Vianney, un prêtre diocésain, mais quand même le pape va présenter Jean-Marie Vianney patron comme de patron de tous les prêtres. Oui. Et on peut s'identifier facilement avec sa vocation et sa vie. Et toi, justement, tu regardes ta vocation, les années passées, les années à venir. Quelle est ta joie? Ma joie, c'est que je n'ai pas des chaussures comme ça. J'ai des sandales que je change très souvent.
Ma joie, en étant prêtre, c'est le pouvoir, la capacité, le privilège de rendre témoignage à la joie du Seigneur. Quand je me trouve, je me vois comme un instrument, un pont. Chacun de nous, nous sommes des ponts entre Dieu et l'humanité. Et je crois que c'est un immense privilège parce que le monde aujourd'hui vit sur les îles, très loin. Et nous faisons des connexions de ces gens à Dieu. Et c'est un privilège. Et de pouvoir annoncer l'Évangile avec une clarté, une simplicité, c'est ça qui me fait vivre. Et merci d'exercer ce ministère avec clarté, justement, et de rendre témoignage à travers un simple soulier ou une chaîne de télévision. Merci beaucoup. Il y a certainement plusieurs raisons pour lesquelles le Saint-Père, après consultation, j'imagine, des cardinaux, a décidé à ce moment-ci de faire une année sacerdotale. Donc, en gros, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où les rôles, pas seulement celui du prêtre, mais où les rôles de direction, les rôles d'exécutif, appelons-les comme on voudrait, sont questionnés dans nos sociétés occidentales. Et je crois qu'il a voulu qu'on situe bien le rôle du prêtre actuellement chez nous. Les 30 à 40 dernières années, il y a eu des bouleversements au niveau ministériel, quelle est la conception du ministère presbytéral, du sacerdoce, du prêtre, appelons ça comme on voudra. Et j'ai l'impression qu'il a voulu bien camper que là, pour une année, on allait se questionner sur le rôle, la place, et qu'est-ce que c'est le ministère finalement du prêtre aujourd'hui, après un 40 ans de tâtonnement, d'hésitation à tout resituer le vaste ensemble ecclésial. Cette fonction, ce service qui est donné à l'Église, bien, il vient de Jésus. Il vient d'une mission et d'un don qui est de Dieu, qui est origine de Dieu. Et ce n'est pas un don qui reste dans les airs. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est pour le peuple de Dieu. Alors, on essaie de réfléchir pour retrouver le sens, le rôle, et on pourrait dire, peut-être plus au Québec, la place. Pourquoi on a des prêtres, finalement? J'ai jamais vraiment pensé à devenir prêtre. Ça n'a jamais passé par mon esprit jusqu'à l'âge de 20 ans. Ou avec une rencontre du Seigneur, j'ai pu tout simplement voir où il m'a montré finalement que ça serait là que je serais heureux dans ma vie. Jusqu'à ce temps-là, j'ai essayé d'exceller dans tout ce que je faisais. Puis le Seigneur, avec sa rencontre, m'a montré que je devais exceller dans l'amour, devenir un saint. Et en voulant devenir un saint, il a fallu que je lui demande, mais comment veux-tu que je sois le saint que tu veux, Seigneur? Puis à travers quelques expériences, comme les JMJ 2002 à Toronto, et la fréquentation de certains groupes ici à Montréal, j'ai réalisé que c'était vraiment en devenant prêtre que je pourrais réaliser cet appel à la sainteté, cet appel à exceller dans l'amour. Saint-Jean-Marie Vianney, on pourrait dire, obtient une sorte de graduation. Il était déjà le modèle de tous les curés. Et on s'est dit, bien, les curés, c'est pas tout le monde quand même, là, c'est pas tous les prêtres. Alors, il devient le modèle de tous les prêtres. Ce qui devrait nous indiquer quelque chose, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre de lui. C'est sûr que c'est pas comme en informatique, là. C'est pas un copier-coller qui nous demande. On n'a pas à copier ce que le curé d'art se fait il y a 150 ans, puis on va le coller aujourd'hui, c'est impossible. C'est pas les mêmes sociétés. Ce qu'il y a à regarder de lui, c'est plutôt quel était le sens profond de son sacerdoce, de son ministère presbytéral, comment il était, on dirait, prêtre jusqu'au bout des ongles. Bien, simplement, quand on regarde les textes que Benoît XVI a écrits, il ne s'attache pas longtemps à ce qu'a spécifiquement fait le curé d'Ars. Il a fait 10 heures de confession là, il a fait 3 heures là. Il ne décrit pas ça. Ce qu'il décrit, c'est quelqu'un qui a eu un cœur de pasteur et où il était avec son peuple, tout simplement. Il était au milieu de son peuple, il était dans la souffrance du temps, les joies aussi, et il a répondu à ses attentes précises du peuple de son temps. Et le peuple l'a reconnu comme le bon pasteur. Je pense que le monde actuel n'amène pas plus de difficultés que le monde du passé. Ne serait-ce que nous avons qu'à penser à des grands saints du passé, que ce soit Saint-Augustin ou Saint-Ignace. C'était autant difficile que maintenant. Peut-être que les circonstances sont un peu différentes, mais il me semble que il n'y a pas vraiment de grande différence. Origène, c'était pas plus facile pour lui que pour moi. On veut tout simplement essayer de suivre le Seigneur dans le monde d'aujourd'hui. Le curé d'Ars a pointé une vedette. Il ne s'est pas annoncé, ce n'est pas son message. C'est le message du Christ et c'est effacé devant le message du Christ. Et c'est ça un saint, c'est ça un grand saint.
Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous propose comme modèle. Pas regarder uniquement l'activité, bien sûr qu'il a posé une activité pour son siècle. Nous aurons d'autres activités à poser. Mais ce qui est premier avant même l'activité, parce qu'on pourrait tomber dans l'activisme, c'est de se demander, mais c'est quoi la source, c'est quoi le message? Qu'est-ce que je veux laisser passer? Qu'est-ce que je veux laisser transparaître? Est-ce que je suis en train de m'annoncer? Est-ce que je veux devenir une vedette? Ou est-ce que je veux laisser la place disparaître, finalement? Hein, c'est ça. Disparaître au profit du Christ, le seul qui doit être annoncé. C'est lui le véritable prêtre, c'est lui le pasteur. Le rôle du prêtre dans l'Église, c'était tout simplement rendre Jésus présent dans son peuple. C'est ce qu'il a demandé à ses successeurs et c'est ce qu'on essaye, on va essayer lorsque ça sera fait, lorsqu'on deviendra prêtre, on va essayer de le rendre présent pour que ce soit lui qui parle et non nous. Le défi moderne, c'est de reprendre contact justement avec le peuple de Dieu. Il faut le dire, moi je dirais en toute humilité, peu importe pourquoi, c'est pas de chercher des coupables, nous avons perdu contact avec le peuple de Dieu. Et nous avons perdu contact avec les jeunes, nous avons perdu contact avec le monde des universitaires, le monde professionnel. Peu importe la raison, nous devons prendre conscience que nous avons perdu contact avec le peuple de Dieu. Il faut reprendre ce contact-là. L'urgence, c'est le monde des jeunes. Nous ne pouvons, il y a toutes sortes de milieux, nous ne pouvons pas perdre contact avec le monde des jeunes, comme nous l'avons fait. Sortir de tous les milieux pour se centrer, comme on l'a fait exclusivement sur la paroisse, d'après moi, n'a pas été l'innovation du siècle. Il y a d'autres milieux que la paroisse qui gravitent autour d'elle. Ce n'est pas de délaisser la paroisse, mais de mettre toute l'énergie dans l'activité paroissiale ou de mettre toute l'énergie dans la restructuration des paroisses, le réaménagement pastoral, est d'après moi une erreur qui peut nous coûter très cher. Les plus grands défis, en ce qui me concerne, c'était de faire le saut entre les études et la pratique en paroisse. Ce n'est plus du tout la même chose. On a 5 ans de formation universitaire au séminaire et 2 ans de formation pratique sur le terrain en paroisse. Et c'est là qu'on voit qu'on essaye de faire en sorte que ce soit le même monde, la théologie et la pratique, même si des fois on voit que c'est deux choses différentes, d'essayer d'aborder des personnes et aux études d'essayer d'étudier des idées. Alors le grand défi, c'est de faire d'unir les deux mondes pour que ce soit vraiment des personnes qu'on aborde avec la personne de Jésus. Autant on a été une société, on le sait, très catholique, pas juste religieuse, très catholique au Québec, chaque famille ayant un religieux, une religieuse, un prêtre, donc c'était soutenu par le milieu familial, par la société en général, c'était valorisé de devenir prêtre. Ce n'est plus le cas. Il peut y avoir des familles, il ne faut pas non plus démettre, mais ce n'est pas soutenu, disons-le, par la société. Alors, quelqu'un ne rentrera certainement pas au séminaire en disant « Hey, là, toute la société va me soutenir. » Je pense que c'est pas ça, ça n'existe pas. Ça prend vraiment un appel profond en soi. La deuxième, on est dans une société, depuis les années 60, on peut 50, 60, la révolution tranquille, où l'érotisation, la sexualisation, c'est fortement développé. Alors, le célibat est certainement pas le modèle le plus attirant dans la société moderne, que ce soit ici ou ailleurs, là. Alors, pour un jeune qui veut rentrer, où les expériences sexuelles ont baissé continuellement d'âge, où c'est rendu 13-14 ans, dans beaucoup d'environnements, c'est pas perçu par la société comme quelque chose, entre guillemets, de normal, de régulier, d'habituel. Alors, de vivre une affectivité autre que celle qui est proposée dans la société actuelle, comme pratiquement un modèle unique, pour un jeune, c'est dérangeant, c'est normal. Tous les jeunes qui l'entourent ne l'encourageront pas à aller dans ce sens-là. Bon, le rôle du prêtre, on en a parlé, qui, depuis 40 ans, est situé dans une certaine horizon de confusion, où les structures même de l'Église au Québec, les regroupements paroisses et autres, sont situées aussi sur le modèle d'une mouvance rapide et d'un peu de confusion, peuvent faire qu'un jeune me dit « Mais coudonc, je rentre dans quoi, moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi pour répondre à mon appel? » Est-ce que cette structure-là est vraiment au service de l'Évangile d'aujourd'hui et du peuple de Dieu de chez nous, là? Quand je regarde l'âge de vos gens, là, dans cette structure-là, et à l'intérieur de vos paroisses, je ne me reconnais pas beaucoup non plus. Je reconnais plutôt mes grands-parents, plus mes parents, mes grands-parents. Le monde des jeunes étant absent, il faut comprendre une chose, le jeune qui désire rentrer, il
pouvoir nous poser la question rapidement, c'est pour qui exactement vous attendez mon ministère? Je proposerais un élément de changement, ça serait de mettre sur pied peut-être une maison de discernement dans notre diocèse où des jeunes hommes qui penseraient à vouloir devenir prêtres, mais ne seraient pas prêts à faire le saut au séminaire, pourraient vivre ensemble, puis avoir une expérience de vie fraternelle, communautaire, de prière, tout en ayant encore soit leurs études ou leur emploi. Ça leur permettrait de se familiariser avec le séminaire, tout en ne pas ayant le stress de faire le saut tout de suite. La formation n'implique pas de changer de gens. La formation, le modèle, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses apôtres? Il a été vraiment patient, parce qu'il ne comprenait pas facilement les apôtres. Jusqu'à la fin, c'était la question, hein, qui sera à la droite, qui sera à la gauche? Quand serons-nous les princes des 12 tribus, etc.? Alors, Jésus les a accompagnés, a fait route avec eux, et le plus bel exemple pour l'accompagnement, c'est le chemin d'Emmaüs. Il aurait pu dire, bien, vous n'avez vraiment rien compris, ils ne l'ont même pas reconnu. Il a fait chemin avec eux doucement, et à la fin, à la fraction du pain, et à tout l'enseignement, leurs yeux s'ouvrirent. Alors moi, le plus bel aspect de mon ministère, c'est quand les yeux d'un séminariste peuvent s'ouvrir en faisant chemin avec. Il n'a pas changé. Il a laissé tout simplement s'épanouir sa vocation à lui. Il a laissé, comme je vous donnais l'image, le vitrail, là, il est arrivé à le polir un peu, enlever de la saleté qu'il y avait dedans. Mon rôle, c'est de faire chemin, et quand, dans la route, j'arrive à accompagner quelqu'un qui se laisse accompagner, et qui se laisse accompagner par le Christ, pas par moi uniquement, là. C'est Jésus, l'Esprit-Saint. Et que je vois ses yeux s'ouvrir son âme, quand je peux percevoir qu'il se rouvre à cette vocation spécifique que Jésus lui a donnée, bien moi, j'ai rempli mon rôle, j'ai rempli ce qu'il attend de moi. C'est le plus bel aspect de ma vocation. Je le promets. Je garde un merveilleux souvenir de l'ordination du 20 juin dernier au Congrès Eucharistique International. Je savais à ce moment-là que quelque chose allait changer. Bien sûr, dans la foi, je savais que ontologiquement j'étais différent. Je devenais prêtre, mais dans le concret, je l'ignorais encore. Qu'est-ce que cela signifiait plus exactement? Et j'ai pu constater au cours des mois qui ont suivi la grande joie de pouvoir donner les sacrements, de pouvoir célébrer l'Eucharistie comme prêtre et de pouvoir donner d'une manière toute spéciale le sacrement de réconciliation, le sacrement de la miséricorde. Lorsque je dis à la messe, ceci est mon corps, ceci est mon sang, quel miracle! Le Seigneur descend, en fait, il se fait nourriture pour le peuple de Dieu par mes mains, par ma bouche. Lorsque je dis, tes péchés sont pardonnés, quel miracle! Et ça, en fait, ça me transforme de l'intérieur, de voir cela. Et ça m'invite à une conversion un peu plus grande pour le laisser agir, lui le Seigneur. L'ordination ne m'a pas transformé du jour au lendemain en un grand saint, mais mon souhait est un petit peu comme le curé d'Ars, eh bien, d'être un saint. En tout cas, j'essaye, dans la mesure de mon possible, de faire en sorte qu'il en soit ainsi. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, là. Mais voilà, c'est le chemin que j'essaie d'entreprendre. Le plus grand changement que j'ai vu depuis un an, c'est au niveau de la prédication. Hein, on dit dans l'Évangile, le Christ, ce qui surprenait beaucoup les gens, c'est qu'il prêchait avec une autorité. Et lorsque je prends la parole, souvent devant une foule, je suis toujours surpris, interpellé moi-même par l'autorité. Hein, lorsque je prêche l'Évangile, lorsque je parle de la vie, lorsque je parle des béatitudes, hein, cette autorité qui ne vient pas de moi. Et ça me surprend, je m'enseigne souvent moi-même. Hein, je parle et j'ai comme l'impression de m'enseigner souvent. Le pape Benoît XVI a une idée absolument sensationnelle en décrétant que l'année qui s'en vient serait l'année sacerdotale pour deux raisons. La première, parce que je pense que tous nous avons à gagner à découvrir davantage qui est le prêtre, autant
je dirais, les chrétiens et les chrétiennes que les prêtres. Et moi, je me sens interpellé à approfondir le mystère qui m'habite. La deuxième raison, c'est que je crois que c'est une année qui pourra également être interpellation vocationnelle. Moi, je souhaite que cette année, ça soit un temps de conversion pour nous, les prêtres. En fait, on a besoin des curés d'Ars encore aujourd'hui. C'était un homme qui était en partie austère, mais très bon, très bon. Et qui, dont il avait une bonté qui débordait d'une certaine façon. C'est-à-dire chacun goûtait et se sentait profondément aimé et reconnu tel qu'il était. Et vous voyez, c'est, je crois, l'image d'un bon pasteur. Et donc, il est patron de tous les curés de l'univers. Le pape Benoît XVI vient de le nommer patron des prêtres du monde. C'est-à-dire, alors on pourrait dire que c'est une gloire extraordinaire pour ce petit curé de campagne d'un village tout petit perdu et inconnu. Peut-être. Ce qui est, à mon avis, touchant, et pas simplement pour nous les prêtres, c'est de percevoir que c'est l'image du bon pasteur. Un pasteur, voilà, selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire qui nous guide, qui nous protège, qui nous conduit vers Dieu, qui nous aide à rencontrer le Seigneur en vérité, à vivre de lui et être heureux d'être enfant de Dieu. Je pense que nos prêtres ont besoin de prières, non seulement peut-être pour qu'ils se convertissent, qu'ils acceptent cette exigence de la sainteté, se laver dans la sainteté. Donc il faut prier pour eux. Je pense que c'est la beauté de l'Église, que chacun se porte les uns les autres et que peut-être qu'on ne prie pas assez pour nos prêtres. Donc c'est peut-être déjà pour ça. C'est peut-être aussi pour montrer une belle image de pasteur, c'est-à-dire de pasteur heureux d'être prêtre, heureux d'être là pour donner le Seigneur aux gens et pour guider les gens vers Dieu. Le pasteur, c'est ça, celui qui donne les gens à Dieu, qui donne Dieu aux gens, qui a cette espèce d'interface peut-être mystérieuse qui le dépasse lui profondément, mais que ça soit appelant non seulement pour des jeunes pour devenir prêtre, mais aussi appelant à chacun d'aimer nos pasteurs. Je crois que plus on aime nos pasteurs, plus on aime l'Église quelque part, hein, et plus on accueille quelque chose de l'amour de Dieu pour nous. Alors c'est certainement une grâce dans le sens d'un don de Dieu, c'est aussi une exigence. Je crois que c'est aussi une joie d'accueillir des frères prêtres qui viennent du monde entier et d'être, vous voyez, je disais, le curé d'Ars pour nous c'est un petit peu comme un grand frère, d'être près de ce grand frère quelque part. Mais c'est aussi profondément exigeant parce qu'il y a l'exigence de vivre à côté d'un saint, l'exigence de l'amour, quoi. Et l'amour qui est en vérité. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Il s'agit là d'une certitude phare, celle de nombreux théologiens passés et présents, celle de l'Église dans son magistère, et entre autres Jean-Paul II, qui en 2003 l'affirmait dans son encyclique « Ecclesia de Eucharistia ». Qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela veut dire que l'Assemblée eucharistique est le centre de la communauté chrétienne présidée par le prêtre. La communauté qui célèbre avec le prêtre Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Celui-ci, le prêtre, eh bien, est le ministre de la parole de Dieu. Il est aussi le ministre de la liturgie. Il est le guide et le pasteur du peuple de Dieu. C'est pourquoi les prêtres doivent toujours s'efforcer de vivre une sainteté qui fera d'eux des instruments toujours plus adaptés au service du peuple dont ils font partie. C'est ça le peuple de Dieu. Ils le font dans la joie et dans l'espérance, une espérance et une joie qui habitaient le Saint curé d'Ars. Cette espérance est celle de rencontrer Dieu et de voir son visage. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je suis Sébastien Lacroix. À la prochaine.